مرحبا بكم أعزائي تلاميذ السنة الثانية إعدادي في مادة الفيزياء والكيمياء سنعتمد على كتاب إنيفير بلوس دوزياماني كوليج في تقديم دروس السنة الثانية وستكون هذه الدروس ملخصة بحيث تساعدكم على تركيز الدروس التي تلقيتموها في فصلكم الدراسي فمرحبا بكم مرة ثانية Notre dernière leçon de la partie matière et environnement a pour titre la pollution de l'air. Au cours de cette leçon, nous allons connaître les causes principales de la pollution de l'air et leur effet sur l'environnement et la santé de l'homme. Aussi, nous allons proposer quelques comportements bénéfiques pour limiter la pollution de l'air. Et aussi, nous allons prendre conscience des dangers de la pollution de l'air. Nous avons déjà étudié que l'air est un mélange gazeux naturel qui contient les principaux gaz, le dioxygène, le diazote et d'autres gaz avec... Un pourcentage très faible tel que le dihydrogène le dioxyde de carbone la vapeur d'eau etc mais les activités humaines ont participé à la pollution de l'air en éjectant euh, beaucoup de gaz qui ont une mauvaise influence sur l'homme et son environnement on peut citer les principaux polluants de l'air tels que le dioxyde de soufre et le dioxyde d'azote. Ces deux gaz ont des conséquences très graves sur l'environnement. Ils sont à l'origine de des pluies acides. Ils provoquent la dégradation de certaines constructions. Ils endommagent le sol et la flore. Ils affectent aussi les voies respiratoires des êtres vivants. autres polluants les particules en suspension qui sont éjectées par les différentes activités telles que les échappements des voitures les cheminées des usines etc ces particules transportent des composés toxiques qui peuvent provoquer des allergies et des difficultés respiratoires voire même des maladies très graves. Nous avons déjà étudié que la Terre est entourée par plusieurs couches atmosphériques. La deuxième couche, la couche d'ozone, qui s'appelle la stratosphère, est constituée essentiellement du gaz ozone. Cette couche réfléchit les rayons ultraviolets très énergétiques. Et protège ainsi l'homme et son environnement des effets de ces rayonnements. Des activités humaines produisent des composés chimiques appelés les chlorofluorocarbones, CFC. Ces composés chimiques entrent en réaction avec les molécules d'ozone qui constituent la stratosphère et détruisent partiellement cette couche, ce qui permet aux rayons d'ultraviolet d'entrer dans l'atmosphère terrestre ce qui peut provoquer différentes euh, maladies la, de la peau ou de la végétation etc un autre effet lié à la pollution de l'air et qui s'appelle l'effet de serre qui est dû essentiellement au dioxyde de carbone. L'augmentation des rejets de dioxyde de carbone accroît l'effet de serre, ce qui élève la température moyenne de la Terre. Ce phénomène provoque la fusion des glaces polaires et par conséquent l'augmentation du niveau de la mer, par exemple. On peut retenir qu'en conclusion, la pollution de l'air est la présence dans l'air de composés toxiques pour l'homme et dangereux pour son environnement. On distingue deux sources de la pollution de l'air. Les polluants liés aux activités humaines, les polluants naturels. Les principaux polluants atmosphériques sont le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, les oxydes de carbone, les particules en suspension dans l'air. Les principales conséquences de la pollution de l'air sur la santé et l'environnement sont en particulier les affections respiratoires, les pluies acides, le trou de la couche d'ozone, l'effet de serre et autres effets. Comment peut-on limiter la pollution de l'air En tant que citoyen, on peut participer à la limitation de la pollution de l'air par des comportements responsables tels que l'utilisation des transports communs ou des vélos au lieu des voitures personnelles, éviter les combustions qui dégagent du dioxyde de carbone, consommer le moins d'énergie possible. On peut retenir, pour limiter la pollution de l'air, nous pouvons par exemple minimiser l'utilisation de la voiture personnelle, utiliser un moyen de transport comme le bus, se déplacer à pied ou à vélo. On peut aussi planter des arbres, utiliser des appareils électriques à faible consommation d'énergie, utiliser les énergies Renouvelables telles que l'énergie éolienne et l'énergie solaire. On résout l'exercice 3 sur la page 95. L'effet de serre. En première question, pourquoi l'effet de serre est-il amplifié actuellement? Deuxième question, quel est l'effet de ce phénomène sur la température de la Terre Troisième question. Quelles seraient les conséquences écologiques du réchauffement de la planète La réponse de la première question. L'effet de serre est amplifié actuellement par les rejets de gaz réchauffants tels que le dioxyde de carbone. La réponse de la deuxième question. Le phénomène d'effet de serre augmente la température de la Terre. La réponse à la troisième question. L'effet de serre provoque la fusion de la glace polaire. Et donc, il y aura une augmentation des niveaux de mer. Aïza et talamid, doumchoum fi riayatillah, akakoum fi darsin jadid, InshaAllah.